Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Oh yeah! Allez, on continue l'aventure de Bob l'éponge carré. Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Malabon, bienvenue à la tribu du Caribou Canadien, mon ami, ça fait super plaisir ton follow. Oh yeah! Ta-da! Bon, là, on avait découvert, ou plutôt on avait débloqué. Une partie de SpongeBall, ça te dit? Par là, je peux y aller? Ouais, c'est ça. Donc, on rentre dans le poste de police. Qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Ceci est la base de données. Monte sur un carré de métal situé devant l'écran pour l'activer. Tu peux t'en servir pour lire la fiche du robot déjà capturé. Numéro 1 de Bikini Bottom. Ça sert de venir ici. Ça s'en servira quelque temps d'eau, mais ça sert à rien. Fait qu'il y a des affaires, mais. Ça donne quoi de voir ça? On y parle d'un monstre. Donc, Tonton est un citoyen modèle. Il aide son prochain, il chante, il pirate des ordinateurs. Non, oublie ça. Tonton, c'est le meilleur. Il pirate des ordinateurs, il l'a fait lui-même. En d'autres mots. Je vais vérifier rapidement une dernière petite chose. Juste au cas où j'avais oublié. C'est le sofa vert qui me fait parler. Ah, il y a une porte par exemple. D'autres que je vois pas. Ah, c'est l'autre bord de la clôture, ça j'avais pas vu. Rien à faire ici. Là, j'ai rentré. Là, j'ai tout fait ça. Entre-ville, il y en a deux que j'ai pas attrapé, mais on s'en fout. Là, il y en a une. Ah, là, je pourrais le faire, lui. Amène-moi là. Énorme Patrick, je vais jouer. Ah oui, ça se place là, c'était drôle ça. Ça, je vais faire quelque chose avec ça. Ah, j'aime l'odeur des bulles le matin. Ça sent la
avec toi. Je me sens regonflé à bloc. Oh, je... Ok. Colin! Oh! Pour vrai, je sais pas comment tuer ça. En fait, oui, je sais comment. Il faut Patrick. Faut changer le boss. C'est quoi, toi? C'est que je sais pas ce qui est le boss. Voyez-vous un endroit pour changer de personnage? Aïe aïe, putanas, toi. Ah, il y en a un là-bas, je le vois. Oh, Patrick! Patrick peut prendre les... Il peut assommer les robots, puis les lancer. On va voir si ça fonctionne. Faut tout défaire ça! Bon! Le robot, il a fait boum! Et voilà! C'est ça que l'eau a baissé, mon petit maudit! C'est quoi là de là? Oh, niaiseux! Yes! Qu'est-ce que je fais avec bébé torpille là? On va parler à Monsieur Crabbe, il va peut-être nous répondre, lui. D'autres spatules dorées sont disséminées dans l'océan. Disséminées? Colorama! Ça brille! Ah putain. Je n'ai pas le vertige. Bon oui, je sais pas quoi faire, puis ça me tente pas d'essayer. Ça va. Il y a pas, c'est pas clair. J'ai pas l'impression qu'il a besoin d'aide.
À moins qu'il y ait quelque chose à lancer pour... Mais là, je vois rien. La porte sud, elle s'ouvre pas. Je sais pas comment l'ouvrir. Ça a rien de faire ça. Ça sert à rien tout ça là, pour l'instant. Hein. Non. Amène-moi ce que je peux là, mais dépêche. Une plage j'ai pas vu puis qu'il y a une... Là-dedans, je suis certain, voilà, une... Allez, bébé. Une boule de bowling est une compétence qu'il te faut impérativement. Je m'en souviendrai, ma... Bon, on va aller là. 25. Nouveau territoire inconnu. Maintenant découvert. Chaîne du caribou canadien. Oh yeah. Bienvenue dans les profondeurs de Rock Bottom, où l'on trouve d'étranges créatures et des t-shirts souvenirs. Et nouveau mince. Je suis ravie de te voir, aussi incroyable que ça puisse paraître. Moi aussi, je suis ravie de me voir, Madame Puff. Les robots ont dérobé des œuvres d'art inestimables au musée. Si tu parviens à me les rapporter, je t'offrirai une spatule dorée en récompense. Pourquoi voulez-vous récupérer ces œuvres d'art ? Ne pose pas de questions si tu n'es pas prêt à entendre la réponse. Je vais partir à la rescousse de ces œuvres d'art, Madame Puff. Bon, ça c'est quoi? Bon, c'est là. Bon, c'est rien, je comprends pas. C'est un robot roupilleur. Bob, l'éponge, doit s'approcher de lui en silence pour éviter de le réveiller. Pour te déplacer discrètement, incline doucement ton joystick ou appuie LT. Encore.
Où est-ce qu'il sort? J'adore ouvrir des cadeaux. Un sur six. Ces plateformes s'effondrent sous le poids de Bob l'éponge, à moins qu'il ne s'approche discrètement. Oh, crétin! Il me semble que j'avais appuyé. God. Marcel Bubule, pour une bulle, tu t'en sors très bien. Bob l'éponge, les robots assiègent le musée de Rock Bottom, mais ils ont brisé la route qui mène là-haut. Tu vas devoir faire preuve d'astuce et trouver un autre moyen d'y accéder. Et si je léchais tous ces timbres et que je m'envoyais par la poste? Ça pourrait marcher, mais ça irait sûrement plus vite d'y entrer discrètement. C'est le moment de passer discrètement. Là, c'est discret en goût, ça. Sandy va reviendrer. Sandy, Sandy. Je me sens regonflé à bloc. Je crois d'aller par là aussi. Je vois qu'il y a un chemin d'être là, là. Patrick sera drôlement content de récupérer ça. Comment je fais pour revenir? Ok. Oh, calice. Parce que je suis là. Ah, qui va. C'est bon, allez. Sauce tartare. Quelle horreur. Oh, l'horreur.
Allez, allez, allez! Bon. Ouch, calice, je viens de comprendre qu'est-ce qui se passe. Tic en bas. Oh non, niaiseux, frappe pas dessus. Je me sens regonflé à bloc. Porte ouverte. Ah, niaiseux, je reste à côté. Vous allez aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire, que vous allez jouer? C'était bien pour toi quoi ça. J'adore ouvrir des cadeaux. Frais comme une brise printanière. Ouais. Ça sent la victoire. Bon, il y a un mécanisme que j'ai. Ah oh, non, il m'amène. Je vais pour dire, il y a un mécanisme que j'ai pas fait, j'ai pas activé. Non, mais tu. Il y a un bus là-bas que je vois pas. C'est quoi la pancarte là? Non, c'est pas un bus. Une flèche. Quelque chose que je vois pas. Ah, mais le seul chemin. Par là, faut que je vois, je pense que oui. Ah non. Moi, je peux pas aller là tout de suite. Tu sais, j'ai pas été là par exemple. Et là que j'ai dit. Ah, bon. Ah, mon cul. Bon. On a ouvert ça, qui est l'autre bord, je pense. J'ai la classe. Y a mon petit calice. Voyons.
Ben tabarnache, la maladie mentale m'a pogné. Ça va, Navy Seal? Navy Seal. Petite calice de balles. Ça va, merci. Là, j'étais dans la moutre qui me faisait tout. Là, il passait d'à côté, je sais pas. Alors, quand il y a des flèches, je peux monter plus haut. Il me gosse avec tes maudits coffres, toi. Bon, allez. On va chercher Sandy. Le microphone, tu parles d'un micro? Ça dépend. Hein? Un instant. Ok. Je vais avoir un banc pour... 80$, j'imagine 100$ là. Un Blue Yeti normal. Il me manque quelque chose qui a pas. Ah, non, ouais, ben j'en ai un là. On dirait qu'il m'en manque. Ah, non. Ah, mais c'est pas grave. Moins que... C'est vrai, en sautant, ça marche. Attends. Il revient, là, je le vois, là. Je vais essayer de quoi. Non, fuck all.
Oh. Oui. Je sais pas si tu es supposé, mais moi ça marche. Et voilà, une autre spatule. Ouais, parce qu'elle, elle vient du Texas. Préviens-moi si tu vois revenir le petit Bob l'éponge, d'accord? Bon, mais c'est une autre façon de dire que c'est pas moi qu'il veut. Il veut pas m'avoir. On va aller chez Bob. Bernard l'ermite, tu patrouilles la zone? Non, c'est mon deuxième travail. Je bosse dans la sécurité. Bien, écoute-moi. Si tu veux atteindre les spatules dorées, tu vas avoir besoin d'éteindre le système de sécurité du musée. Tu le repasses, ton pantalon? Ou est-ce qu'il ne se froisse jamais? Prends garde, gamin. C'est une mission sérieuse. Si on ne parvient pas à résoudre le problème des robots, la maison de retraite va fermer. Et je vais devoir retourner vivre avec mon fils, sa femme et ses quatre mioches bruyants. Bon. Tu vois ce conduit de l'autre côté du musée? Fermé, je vais devoir... Hein. Absolument! Je vais le mettre à dehors. C'est la sortie du musée. Bonne chance, gamin. Je ne vous laisserai pas tomber, Bernard l'ermite. C'est plus la chance celui-là. Hey Darkly, comment ça va? Oubliez pas, si vous voulez vous inscrire pour les concours, c'est aujourd'hui. La dernière journée. Si vous voulez acheter des billets, etc. Ouais, mais si je suis pas là, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai une vie. T'es sur quoi, Darkly? Putain. Oh oui! Ouais, mais tu peux quand même participer si t'es subscribé. J'ai des jeux PS4, j'ai des jeux qui peuvent être gagnés. Si jamais c'est toi qui gagne ou même PC, je peux te donner un jeu de PC. Bon, il y a un batteur. Patrick doit faire sa lessive. Ça se peut que ça va venir un rituel, que ça va être les dimanches et lundi. On fait le tirage le lundi soir. T'as 2 jours pour t'inscrire, ça pourrait être une bonne idée aussi.
Est-ce que les subscribers devraient automatiquement être dans le concours? Ou seulement ceux-là qui sont au moins présents un peu? Je vais mettre le jeu, s'il te plaît, Matador. Non, il manque le jeu à gagner, Matador. C'est-tu le jeu à gagner, tu veux dire? Je pense qu'il avait défini c'était SpongeBob. Là. Merci. Ne me faites pas de mal! Oh non, c'est un raid amical! Il y en a un autre à frapper là-bas, par exemple. Salut Augustus, comment ça va? Donc, n'oubliez pas les façons de participer. À chaque donation de 5$, vous avez une chance dans le pot, peu importe le nom de la... Peu importe le moment de la semaine, ensuite. Si vous êtes subscriber, dépendamment comment vous avez vous payez par mois, vous allez avoir plus de chances. Comme Matt, je pense qu'il paye 20 ou 25, il va avoir plus de chances que quelqu'un qui paye 5. Logiquement. Hey Augustus, mon cher ami, raid en plus si on hey, t'es chez Caribou, ouais, prends ta chaise, puis regarde-moi, hein! Joe Tofu, bienvenue à la tribu du Caribou Canadien, mon ami, ça fait super plaisir de t'en faire. Oh yeah! Augustus, un cher ami de FIFA, je sais pas si tu joues à d'autres choses maintenant. Hey, t'es chez Caribou, prends ta chaise, puis regarde-moi, hein! Un autre nouveau. Hey, t'es chez Caribou, prends ta chaise, puis regarde-moi, hein! Mon ami, ça fait super plaisir de t'en faire. Oh yeah! Oubliez pas qu'à chaque dimanche, lundi, les inscriptions ouvrent le dimanche et le lundi, on fait tirage, on fait gagner des jeux. Cette semaine, on fait tirer un jeu Xbox, deux jeux Xbox. Charlie, tu peux le mettre, je me rappelle même plus du nom déjà. Pas Charlie, mais Matador, merci. Et vous avez différentes façons de vous inscrire, dont une qui est gratuite. En accumulant de la cassée monnaie à chaque 15 minutes, vous recevez de l'argent du Caribou Canadien pour vous inscrire. Encore du FIFA, mais j'ai arrêté de jouer à FIFA, c'est fini. Calice, ça marche pas là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je peux essayer de faire du bowling là-bas par exemple. Marche pas en tout, j'ai aucune idée. Tu peux aller là? Ben oui, je peux aller là, mon petit cabochon. Tiens. Maintenant, depuis que je suis, vu que j'ai eu la chance d'être partenaire mixeur, ça m'a ouvert des portes au niveau des développeurs des jeux indie et je reçois énormément de jeux gratuitement pour vous présenter dans le concept change. À tous les heures, on change de jeu. On a commencé avec Bug Fable, un jeu qui ressemble beaucoup à Mario Paper, c'est un RPG. Mario Paper, Mario Star. Là, on est sur Bob l'éponge. Oh yes! Ensuite, on a des jeux comme Desperate. On a reçu un nouveau jeu. Est-ce que vous savez quel jeu de course aujourd'hui sort? J'ai oublié de le télécharger. Hein. Ça brille. Et en fin de semaine, en plus, il y avait une course.
C'était le retour de ce sport hier. Aucune idée. Eh oui, Navy. Caribou Canadien a reçu le jeu. Donc on va essayer de vous le présenter aujourd'hui. Je me sens regonflé à bloc. Des fans de tabarouette. C'est un beau haut, ça, mon Augustus, tabarnak. C'est comment c'est ta chaîne avec ta gang de FIFA? Pas vu le nom, mais ça a monté pas mal. Ouais, il va y avoir un tournoi, hein. Oh, si bas, j'ai presque sauté en bas. Pourquoi ils ont pas de l'air de... Pourquoi ils ont pas de l'air synchronisant tout, là, les sauts? Ok, là, ok, là, je comprends. Oui. Ouais, vas-y, t'es capable. Un autre cadre. On manque 3. Et ça, c'est la sortie. Ah, Madame Texas peut venir maintenant. Y a-tu le boss? Non, y'a pas le boss, mais... Bordel de là. Donc, je pense que vous avez peut-être compris... 61 personnes! Tabarnak! GG! Chris Augustus, rendu un grand joueur de FIFA! Tabarnak, qu'est-ce qui se passe? Oubliez pas d'aller donner des follow à Augustus si vous connaissez pas. C'était un de mes... des personnes qu'on se soutenait ensemble au niveau des raids et tout à l'époque. C'était un grand plaisir. Qui a pensé à moi? On va probablement écrire... allez le voir sur Twitter. Checkez sur Twitter, ajoutez-le. Hey, Gary! Belle promenade, hein? Le fossé. Ça, même réponse, lui. L'obscurité suprême, hein? Ça a l'air terrifiant. D'accord, Gary. Je ferai très, très, très attention. Merci. Salut Sandy! Ok, mais comment je fais pour retourner? Penses-tu de quoi? Il y a un tableau là! Oh la putain, que ça passait là. Hey, vas-tu dormir, toi? Cabochon, hein, tu es. Ça devrait être bien, ça devrait. Je te fais confiance 100%. Tabarnak, ça passait là.
J'imagine que Patrick sera content. La main qui dit non, j'ai essayé de faire ce que tu veux. Je veux dire, la photo, là, c'est avec une image, je voulais. Je veux qu'on je la place quand mon live est fini, puis la laisser 24 heures. Faut que tu me l'envoies, sinon je pourrais pas le placer. Et là, tabarnak. Je ne peux pas croire que je porte les sous-vêtements de Bob. Est-ce quelque chose que je ne vois pas? Ça, c'est un pour aller de l'autre côté. Ça ne pas grand-chose. On va essayer avec Bob, ouais. Ok, ben, ça, c'est good aussi, là. Ah, zut. La pièce c'est pas de ce bord-là? Ah non, la pièce monte. Oups. Change de bonhomme. Faut que je vois là, parce que je retourne en arrière, vu qu'elle a réussi à activer les. Parce qu'elle, elle peut pas. Ça donne rien sinon. Non, c'est ça. Toi. Mais c'est où qu'on change? Ah, il est là, ben. Avec. Yeah.
spatule là, mais je peux pas aller la chercher. Ah, le bus, il est là. Oh. Tu ferais bien de ne pas semer la pagaille. N'importe quoi, je ne fais qu'aider. Aider à vous soumettre tous à mon pouvoir. Pardon? Rien. Et dis-moi, tu vois tous ces lavers là-bas? Tu veux dire ceux qui y ressemblent à de jolies machines à laver? Si on les voit avec tes yeux crétins, peut-être. Tu vas devoir faire pivoter chacun d'entre eux pour pouvoir traverser la dernière partie du fossé de l'obscurité suprême. Et j'espère pour toi qu'il ne s'agit pas d'un mauvais coup, Vermine. Ah bah oui, j'ai quasiment manqué. Que je porte les choses... Bork, je n'arrive pas à croire que je porte les sous-vêtements de Bob. Bien d'où, toi? Les machines-là que je viens de faire, c'est ça qui crée d'autres. Yoï, yoï, yoï! Pas aussi bon que la sauce barbecue spéciale. Ah, ah, tiens, le bouton là. Ok, je viens de comprendre. Ah bah ouais, l'ombrage, let's go. Bork, je n'arrive pas à croire que tu portes des sous-vêtements de Bob. En vrai, j'ai cru voir un cadre. Bouge. On peut résilier un appartement si...
pas trop. Le fun. T'as fait ça comment? Oh! On peut pas aller là, il faut... J'aurais peut-être Bob l'éponge, ouais, là, je sais pas. D'écoute de Texane. Merci! Bon. Là, on vient d'ouvrir un nouveau chemin, là. Il est où le chemin? Ah, il est là-bas. Écureuil volant, on approche! Le crétin, on approche, oui. Ben, faites ça, se jette dans le vide. C'est ça là-bas qui est ouvert. Là. Trouver ça où sur ce roommate là? Un bon gars de merde. Colin! Aussi longtemps que je serai une éponge carrée et que je m'appellerai Bob, je ne laisserai pas tomber le bikini bottom. Tu tombes sur des champions à chaque fois, c'est le fun, toi. C'est le moment de passer discrètement. Oh, ça marche pas discrètement! Ouais! Viens, vous deux! Prêt comme une brise boutonnière. Oh, si bon, j'ai pas vu que. Puis, il en met d'autres, ce cadis-là!
Oh, ça me tue. Je suis con. Une autre spatule. C'est des cadres, il en manque deux. Où ça, c'est où? Ah bon. Tu me dis que ça sert. Pas bright, hein? Oups. Oh, y a un cadre là. Yes! Y'a un... Combien de prison, c'est le fun ça. Ah, y'a-tu pas une boîte là?
frais comme une brise printanière. Et voilà. C'était tout pour aujourd'hui pour Bob l'éponge carré live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!